Quelque part dans Paris, la file s'allonge et la pression monte en même temps que l'arrivée des premières célébrités. Maxime Simoins, Mélanie Laurent l'a rencontrée de manière incongrue dans une salle de sport. Il m'a sauté dessus, j'étais en jogging pourri. Il m'a dit « je veux absolument te présenter ma collection, je suis tout jeune, je suis pas connue ». Je l'ai invité à boire un café, je trouve ça très beau et on est voilà. Du coup, l'actrice a fait partie des premiers fans du jeune prodige de 26 ans qui sait déjà parler de mode comme n'importe quel grand. C'est des éclaboussures de peinture que j'ai retravaillées comme un crépuscule de soleil. Mardi, le jeune styliste a passé la journée à vérifier scrupuleusement jusqu'au moindre détail. En attendant son tout premier défilé, le père de Maxime se rappelle d'un enfant déjà fasciné par la mode. Tout petit, il avait une marotte, il avait une habitude, c'était d'habiller, de déguiser sa sœur. Sa sœur est née de 3 ans hein, quand même. Et on a vu cet enfant grandir avec toujours la même passion. Et dès les premières notes, la magie prend corps au fil des robes. 39 modèles prêts à porter et prêts à faire rêver les actrices. D'ailleurs, au premier rang sur Julie Depardieu, ce modèle vous dit peut-être quelque chose. Cette robe a inspiré la pièce phare d'une mini-collection dessinée pour l'un des grands VPCistes de la région. Moins prestigieux qu'un défilé, pas sûr. La première collaboration qu'on a eue avec un créateur était quelqu'un qui était, je dirais pas connu à l'époque, faut pas exagérer, mais c'était une personne qui s'appelait Sonia Riquel. Donc voilà, on peut lui souhaiter d'avoir une carrière aussi flamboyante. Retour à Paris, où nous trouvons Maxime caché dans les coulisses. Ça va. Pas de larmes ? Non, si, à la fin, mais justement j'ai contenu. Hein, donc c'est pour ça que j'ai fait un flash garden du salut. Là. Je pense que plus rapide, on pouvait pas. Hein. J'ai couru. Puisque Maxime n'en a pas profité, revoici donc le salut sous les encouragements du gratin de la mode. Vous l'avez rencontré, Maxime Simoins ? Dans une salle de sport, voilà, où je vais deux fois par an. Et il est venu ce jour-là, donc on a eu du bol. Voilà, il m'a sauté dessus, j'étais en jogging pourri. Il m'a dit « je veux absolument te présenter ma collection, je suis tout jeune, je ne suis pas connue ». Je l'ai invité à boire un café, je trouve ça très beau. Et on est voilà, puis je l'ai toujours suivi parce que je trouve ça toujours touchant de voir quelqu'un aussi jeune, aussi talentueux. Aussi sûr de lui à un endroit, aussi droit, aussi travaillant en famille, ayant des belles valeurs. Et puis il aime les femmes, il fait des vêtements très structurés, très beaux, mais en même temps dans lesquels on se sent bien, sans avoir l'impression d'être déguisé. Moi j'ai toujours un peu de mal quand je suis trop déguisée. Pour vous le coup de cœur c'est plutôt ses avis, sa collection ou bien la personne ? Non, sa coupe de cheveux. Non, lui, son talent, lui, après... L'un va avec l'autre. Je trouve qu'il a une personnalité très touchante et facile d'accès et très agréable. Mais c'est surtout ce qui fait de ses petits doigts qui est bluffant. Vous disiez tout à l'heure, c'est rare de voir quelqu'un d'aussi jeune à ce niveau-là dans la mode. Oui, après, je ne m'y connais pas tellement hein, en mode. Hein. Mais ouais, je trouve que par rapport à son jeune âge, je le trouve déjà très très haut et très très loin. Et seul surtout, travaillant pour lui-même et sur ses propres collections. Il ne dépend pas de grandes maisons, il ne passe pas de grande maison en grande maison pour arriver à faire sa propre collection à un moment donné. Il a déjà travaillé avec des grands, mais il est déjà à son propre compte. Et je trouve que c'est des risques énormes et que c'est une industrie qui ne marche pas toujours. Et il faut vraiment se démarquer des autres et je trouve qu'il le fait bien. Vous parliez de lui tout à l'heure, vous le compariez à un petit chat si j'ai bien entendu. Non, parce que je trouve que c'est un petit chat. En plus, il est tout maigre et tout, il est tout... Là, il était au bout du rouleau parce qu'il avait peur de ne pas finir à temps et tout. Et il est très touchant pour ça, quoi. C'est un mélange de grande confiance parce qu'il faut avoir une grande confiance pour faire ça aujourd'hui. Et en même temps, parce qu'il est jeune, il ne se rend peut-être pas compte de tout. Et c'est bien de ne pas être abîmé encore par ce métier. Je pense que j'ai pris un risque, effectivement, la première fois dans un billet. Je l'ai comparé à Saint-Laurent, mais en fait, c'était dans l'émotion que le moment que j'avais passé avec lui m'avait procuré. Et c'était plus même, c'est physiquement en fait que j'avais trouvé ça assez troublant. Saint-Laurent très jeune, les images de Saint-Laurent très très jeune quand il était chez Dior. Et ce petit Maxime comme ça, tout frêle avec ses lunettes. Donc voilà, je l'associe à ce moment-là à Saint-Laurent, pas forcément dans le travail, dans les créations. Maintenant, ouais, l'idée c'est d'être
Oui, c'est bien de dire le nouveau Saint-Laurent ou la nouvelle Coco Chanel parce que ça manque en termes de nouvelle génération à Paris. Mais il faut qu'il ait sa propre identité maintenant, c'est le plus important. Et justement, aujourd'hui, il lance sa maison à une époque, enfin, à un moment où il y a quand même, on voit beaucoup de maisons de couture qui ferment. Il prend quand même un gros risque. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher aujourd'hui, lancer sa maison dans ce contexte-là? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas voyante. Je ne sais pas si ça peut marcher, mais en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir cette détermination et cette volonté. C'est bien pour Paris, c'est sympa, ben, je ne sais pas, mais pour mes enfants, ce sera bien qu'ils aient eux aussi leur maison de couture née en 2010 et pas forcément en 1950, quoi. C'est pas mal. Non, il a raison, il a raison. Mais c'est bien, ça. Il y a du monde, vraiment, quoi. Herald Tribune, Vogue, Officiel, enfin, il a un beau, beau premier rang, là. C'est rare d'avoir autant de monde pour un jeune de cet âge-là. Ben, je crois qu'il y a eu une prise de conscience parisienne, surtout en réaction à Anna Wintour et tout ce qu'elle peut faire avec son CFDway et elle, son soutien qu'elle peut apporter aux jeunes créateurs. Donc Paris s'est quand même un peu secoué et dit bon, il faut absolument qu'on soit un petit peu plus présent avec les jeunes. J'aime pas dire jeunes créateurs, mais oui, avec cette nouvelle génération, enfin, faut bien que ça se renouvelle, quoi, à un moment donné. On les aime beaucoup, mais il y en a qui commencent même à être un petit peu âgés. Donc il faut penser à notre avenir. Oui, c'est le patrimoine de la France, c'est important, quoi, vraiment. Puis il est tout jeune, en plus, voilà, il a le temps, hein, même s'il se casse un peu la figure. Enfin, je ne le souhaite pas, mais je veux dire, il a le temps, c'est bien. Il va se faire son expérience.